Bonjour Les contes ont le grand avantage de pouvoir nous faire voyager en chambre et comme pour l'instant c'est tout ce qui nous reste, je vous emmène aujourd'hui au Japon. Alors, donc, une plaine au Japon avec euh, des rizières, hein, euh, et puis là au loin, euh, un, un volcan, là, le, le, le Fujiyama, hein, bon, et puis au milieu des rizières, ben, des petites maisons. Et dans une de ces petites maisons habite Akiko. Akiko, c'est une jeune fille plutôt menue, enfin, une jeune femme plutôt menu avec un joli petit visage triangulaire encadré de cheveux noirs de jais elle est très heureuse à Kiko. il y a quelques semaines elle s'est mariée à celui qu'elle aime tendrement et qui le lui rend bien tout serait donc parfait pour elle si son époux n'avait dû partir subitement en voyage pour de longues semaines à cause de son travail. Quelques jours avant de partir, le jeune homme a fait venir sa mère. Ainsi son épouse se sentira moins seule. Et ma foi, la vieille dame est charmante. Elle ne tarit pas d'éloges sur sa belle-fille. Elle cuisine bien, sa maison est bien tenue, la rizière bien cultivée et bien propre enfin bref, tout est parfait. Sauf que une fois son fils parti, le discours de la dame change du tout au tout. Ah, Akiko, cette soupe est bien trop salée. Ah Akiko est eh bien alors. Hein, tu n'as plus de travail, tu trouves que ta maison est si bien entretenue que tu te prélasses à longueur de journée. Ah Ma fille, arrête donc, tu t'empifres toute la journée, tu vas ressembler à une autre quand mon fils va rentrer. Ah. La jeune femme, élevée dans le respect des aînés, n'ose pas répondre. Elle fait bonne figure, elle fait de son mieux pour contenter sa belle-mère, mais peine perdue. Chaque jour, la jeune femme se lève en soupirant et son sourire se fait de plus en plus contraint. Ce matin-là, c'est fait. « Ah, Akiko, pour la fête, tu nous ferais bien des botamoshi, non ?» Les botamoshi, ce sont des gâteaux pivoines. Voilà que j'avais oublié le nom de la fleur. Donc, les botamoshi, ce sont des gâteaux pivoines. Ce sont des gâteaux de riz. Enrobé d'une crêpe de haricots rouges. Et c'est cette crêpe de haricots rouges qui, en cuisant, les font ressembler à des fleurs. Enfin, c'est du moins ce que disent les Japonais. Vous irez voir sur Internet. Moi, je trouve que la ressemblance n'est pas vraiment évidente. Quant au goût, je n'y ai jamais goûté. Mais les Japonais, paraît-il, en raffolent. Donc, la jeune femme fait des botamochis. Après le souper, elle apporte les gâteaux pour le dessert. Sa belle-mère y goûte et pour une fois, elle ne trouve rien à redire. Elle en mange trois. Akiko en mange un et on met les autres dans une boîte pour le lendemain. Les deux femmes vont se coucher. Akiko s'endort assez rapidement, mais la belle-mère ne trouve pas le sommeil. Hein? « hein, Ces gâteaux, ces gâteaux sont délicieux hein, Je n'ai aucune envie de les partager encore demain avec ma belle-fille hein? Après tout, un bol de riz lui suffira hein? Je sais je vais les ensorceler. Alors il faut que je vous dise que la belle-mère se prend pour une sorcière fort convenable depuis qu'elle a assisté aux leçons d'une jeteuse de sorts de son village il y a quelques mois. En fait, de leçons je pense que la jeteuse de sang est surtout passée maître dans l'art d'escroquer son prochain. Vous jugerez par vous-même. Mais quoi qu'il en soit, la belle-mère, elle, est convaincue d'être une sorcière hors pair. Et est-ce que vous savez comment on ensorcelle des gâteaux? jamais ça peut servir. Eh bien au dire de la jeteuse de sort, il suffit de persuader les dix gâteaux que devant certaines personnes ils deviennent autre chose que ce qu'ils sont aussi simple que ça. la belle-mère écoute, la belle-fille respire profondément, elle dort. La vieille femme se lève, retourne à la cuisine, prend la boîte de gâteaux, les ouvre. Gâteau pivoine Pour ma belle-fille, Akiko, vous serez des grenouilles. Vous m'entendez Pour Akiko, vous serez des grenouilles. Nouilles, des grenouilles pour Akiko, ma belle-fille. Elle referme la boîte, la remet en place, retourne se coucher. Mais Akiko a le sommeil léger et les panneaux de bambou des maisons japonaises... N'isole pas bien du bruit. Elle a tout entendu. À son tour d'attendre que sa belle-mère s'endorme. Celle-ci, rassurée sur le sort de ses gâteaux, ne tarde pas à ronfler. Akiko se lève, sort de la maison. Va à la rizière, capture quelques très jolies, très mignonnes petites grenouilles vertes, rentre dans la cuisine, enlève les gâteaux de la boîte, les remplace par les grenouilles, referme très vite la boîte, et puis ma foi, cette bonne guerre, elle mange les gâteaux. Et elle retourne se coucher. Le lendemain, Akiko est dans la cuisine, elle boit une tasse de thé, sa belle-mère arrive. Akiko, je crois qu'il serait temps euh, d'aller t'occuper de ta rizière, je pense que tu la délaisses ces derniers temps. J'y vais, mère, j'y vais. Akiko se lève, sort de la maison, mais... Reste cachée à proximité pour jouir du spectacle. La belle-mère se croit seule. Elle prend la boîte à gâteaux, l'ouvre, les grenouilles sautent sur la table et s'éparpillent un peu partout dans la pièce. La belle-mère court derrière les grenouilles. Allons, allons, gâteau pivoine, mais c'est moi, c'est moi! Pour moi, vous êtes des gâteaux pivoines. Arrêtez de sauter, arrêtez. Mais arrêtez, je vous dis, mais vous êtes aveugle, je ne suis pas ma belle-fille. Ah! Je suis, vous êtes des gâteaux pour moi, des gâteaux, des gâteaux. Mais la vieille a beau courir partout après ces gâteaux. <laughs> Ceux-ci n'en demeurent pas moins des grenouilles. Saute, saute. Sortent de la maison et rejoignent la rizière. À demain.